Ah, le Mont Rose. C'est une montagne impressionnante et majestueuse. Située au cœur des Alpes valaisannes, le Mont Rose constitue le sommet d'une véritable niche de 4000. Weisshorn, Cervin, Dent Blanche, Dôme et tant d'autres peuplent les alentours de cette montagne. C'est sans doute cette splendeur qui fit dire à Léonard de Vinci « Aucune autre montagne ne s'élève à une telle hauteur ». C'est le massif le plus imposant de toutes les Alpes suisses. Le Monte Rosa forme une longue crête séparant la Suisse de l'Italie. Sur cette crête pointent 10 sommets, dont la Dufourspitze. C'est ce sommet que nous tenterons d'atteindre. Mais avant, un peu d'entraînement s'impose. Je suis donc parti 15 jours dans la Vanoise pour progressivement habituer mon corps à l'altitude. Je vous laisse voir une vidéo retraçant les plus belles randonnées. J'ai ensuite pu poursuivre cette acclimatation en haute montagne.
Après cette première ascension, les choses sérieuses peuvent commencer. Le premier jour est consacré à la montée à la cabane, la Monterosa Hütte. On prend le petit train du Gornergrat qui nous emmène jusqu'à Rothenboden. De là, il faut marcher 3 heures pour arriver à la cabane. Ouais. Ça vaut du tout, hein. Okay.
La deuxième journée commence tôt. Le petit déjeuner est prévu pour 2h du matin. On part donc se coucher de bonne heure. La trace se faufile entre les crevasses et les séracs du glacier, pour finalement aboutir au col du Satel à 4355 mètres. A partir de là, il faudra crapahuter sur l'arête pour arriver au sommet.
La traversée de cette rimaie permet d'arriver au col du Satel. Le froid et le vent durcissant, la batterie de la GoPro n'a pas tenu. On passe donc directement au sommet, que nous avons atteint après 6h30 d'ascension. Ah, tu peux pas Mont Blanc quoi. À chaud, c'est plus dur. Hein. Quoi? Oui. Je peux passer au même endroit. Pour la descente, plutôt que de repasser par l'arête, nous décidons de descendre en rappel pour atteindre le Cybersatel, point de passage entre le Nordend et la Dufourspitze. Ok. Thank you.
Bon, il y a du vent quand même, hein. Il y a du vent, ouais. Merci, Raccord. Ok.
Laisse-toi glisser presque. On voit ici un sérac tomber le matin même. Ces énormes blocs de glace sont imprévisibles et peuvent tomber à tout moment. Top, top, top. C'est bon. Ce fut une magnifique ascension. La Dufourche Spitze offre vraiment une vue imprenable sur toutes les Alpes.